Attention, les images du début du sujet peuvent choquer. Un suspect a été identifié après l'attentat de Suruç. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ahmet Davutoğlu qui s'est rendu sur place au chevet des blessés. Le chef du gouvernement a promis une enquête rapide. Il a précisé que des vérifications étaient en cours sur des liens à l'étranger ou en Turquie. Mais la plus forte des possibilités, dit-il, est qu'il s'agisse d'un attentat suicide lié à l'État islamique. Un conseil des ministres aura lieu ce mercredi pour discuter d'un renforcement de la sécurité à la frontière avec la Syrie. C'est dans ce contexte très tendu qu'Ankara a nié toute complaisance vis-à-vis des djihadistes après les accusations du leader du parti pro-kurde HDP. Notre histoire récente, dit-il, nous a montré que l'État a joué un rôle derrière les massacres qui ont eu lieu parce qu'il y avait un soutien au sein de l'État et que personne n'a été arrêté. Il y a d'innombrables exemples de ce type dans notre histoire récente. Si la piste djihadiste était confirmée, cette attaque serait la première sur le sol turc depuis l'émergence du groupe État islamique. L'attaque qui a fait une trentaine de morts a visé un rassemblement de jeunes Kurdes et Turcs en partance pour Kobané.